Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de notre aventure sur Pokémon Noir en full random. J'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, eh bien, nous avions battu la Team Plasma qui se cachait dans le hangar frigorifique à Port-Neuve. Et on avait attrapé un Raikou qui se promenait juste là, par hasard. Hein. Il voulait, je sais pas, il voulait aller au hangar voir la Team Plasma, j'en sais rien. Et donc on s'était arrêté là-dessus, et donc aujourd'hui, eh bien, on va aller faire l'arène. Mais avant ça, on va mettre Raikou dans l'équipe, puisqu'on m'a dit que ce serait peut-être mieux de le mettre à la place de Froni. Alors, j'aime bien Froni, j'aime beaucoup Froni, mais après c'est vrai que Raikou doit avoir de meilleures stats. On va aller checker ça. On va aller checker ça. Attendez, d'abord je regarde juste. Ah, on peut pas regarder. Juste petit résumé. Attaque 40. Ok. Imaginons, on le mettrait à la place de Raikou. Le truc, c'est que j'aime bien Froni. Et j'adore Raikou aussi. Mais bon, en fait, si je mets Raikou, j'aurai deux légendaires à la place de 1. C'est vrai que j'ai pas envie d'avoir une team full légendaire non plus. On va aller checker ses stats. Ouais, t'es légèrement mieux quand même. Et t'as une augmentation d'attaque SP. Et la vent glacée. En fait, il a des attaques un peu comme Froni. Hein. Une attaque glace, une attaque électrique. Ça, c'est bien. Bon. Alors, on va mettre Raikou. Par contre. Si Froni évolue en Pokémon super classe, je dis une connerie, hein, il évolue en. Ouais, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme méga classe? Karchakrok par exemple, ou bien Dracolos, ou je sais pas. Voilà, je remplacerai, j'enlèverai Raikou. Parce que apparemment j'aurai une pierre foudre dans la grotte électrolyte, je crois. Et c'est bientôt donc. Pour l'instant, on va mettre Froni de côté, on va prendre Raikou. Et on verra ce que ça donne avec lui. Voilà, voilà. Mais Froni, on le garde quand même sur le côté. Hein. On va pas l'abandonner parce que je l'aime beaucoup, Froni. C'est le petit Froni, quoi. C'est un peu notre mascotte. Hein. Donc pour l'instant, on le garde. Je pense qu'il va revenir dans l'équipe, hein, honnêtement. Parce que, bon, c'est vrai qu'en attendant, j'ai mis Celebi. Mais bon, Celebi, je suis pas ouf fan non plus. Bah j'aime bien mais j'ai pas forcément envie de faire des légendaires. Attendez, je vais juste regarder un truc. Lui, t'es niveau 15, on a aussi mis Draco à faire évoluer. J'attends d'avoir d'être un petit peu plus loin pour le faire monter. Comme ça il va prendre plus d'XP, ça va être moins long pour moi à le monter niveau 30. Juste pour voir en quoi il évolue. Et pareil pour Froni. Ça j'attends la pierre. Mais voilà. Peut-être que Froni va revenir en une autre forme, hein, plus un Pikachu, mais en une autre forme. Donc du coup, pour l'instant, on part avec Raikou. Ouais, alors je regarde juste. Miracle. Au galop, piou-piou. On a une bonne team. Ah, après, j'hésite vraiment à enlever. Alors désolé, je perds un petit peu de temps. Hein. C'est juste que j'ai vraiment envie de faire les choses bien non, aussi. Le truc, c'est que Miracle, il est grave stylé, mais... Bon, pour l'instant, on reste comme ça. On a deux légendaires, on reste comme ça. Mais je pense que Froni va revenir, parce que Froni, je suis très attaché à lui, donc... Donc, on va voir ça. Ah, il pleut. Alors, l'arène. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Ah, oui, désolé si je parle du nez, si je suis malade. Bah, encore malade, ça fait un mois que je suis malade. J'ai du mal à me débarrasser de ce rhume. Bon, l'arène, t'es où? Oui, il y a quelque chose ici? Ah! Non, c'est pas une arène, ça. Ah, c'est définitivement pas une arène. Peut-être le truc là-bas? C'était effectivement l'arène.
Et il y a la team Plasma, hein. Bon. Très cher Bardan, je vous présente mes hommages, je me nomme Gettys de la team Plasma. Je suis venu pour vous soulager de la présence de mes turbulents Seid. Je veux pas de vos excuses, vos sales types, ils ont essayé de voler des Pokémon aux honnêtes gens. Je crains que vous n'ayez commis une légère erreur d'interprétation. Mes dévoués hommes libèrent les Pokémon de leur féroce tyran. Si vous le dites. Bon, je suis plutôt un type franc, et je sais pas bien parler comme vous. Vous connaissez des jolis mots, mais bon. Ça sent le pipeau, vos histoires. La team Plasma nourrit un grand intérêt pour votre bonne ville de Port-Yonneuve. J'ose même croire que le nombre de mes gens s'y trouve. Vous. Qui s'y trouve, vous surprendrez sûrement. Je sais pas si vous racontez des salades ou pas, je m'en fiche. Bah, gagner sans devoir se battre, vous êtes fortiche, hein. C'est bon, reprenez-les, vos zig. Je reconnais bien la sagacité du roi de la mine. Votre capacité à jauger une situation en un instant et à prendre les bonnes décisions n'est pas usurpée. Quel redoutable homme d'affaires vous êtes. Il est temps de me retirer, accompagné par mon conseiller. Maître Gettys, quelle munificence! Il suffit. Nous sommes pas tous égaux. Cette sage au service de notre roi. Je prends maintenant congé de vous, cher ami. Nous aurons certainement l'heure de nous rencontrer à nouveau. Et que la paix soit avec vous. Ok. Je suis désolé de vous faire un coup pareil, les petits. Alors que vous aviez retrouvé ces affreux. Bah, pour m'excuser, en fait, on fait un duel Pokémon. Je serai à l'arène, me faites pas trop poroter, hein. Ah bah non, mais justement, envie de taper. Nous avons pu éviter qu'un conflit n'éclate en plein cœur de la ville. Et j'ai l'impression que ce Gettys n'est pas aussi ordinaire qu'il prétend. Voyons, je vais aller entraîner mes Pokémon. Je refuse de perdre contre ce paysan de Bartan. Je lui arracherai son badge, pris de mon éclatante victoire à venir. Ok. Bon, alors du coup, on y va avec Raikou. Hein. Froni, on garde de côté. Avec Froni, il avait dans Slam. Attendez, juste éclat. Il avait. Chute glace. Mais vent glacé, c'est peut-être plus fort. 55? Ah, quoique non. Ouais, mais bon, après, il avait pas moins d'attaque, donc bon. Du coup. Toi, tu me donnes un truc? Ah oui, j'ai pas regardé, au fait, mais... Oui, non, mais on s'en fout du type. De toute façon, il y a pas de type là-dedans. Non, pas là-dedans. Je me trompe, décidément. Dans le sac. Alors, attendez, on va juste un petit peu tout mettre dans... Oula, je fais des bêtises. Voilà, c'est bon. On va juste tout ranger. Hop. Voilà. On a tout rangé. Alors, potion 5, super potion 4, hyper potion 7, rappel 6. Ouah, ça va, on est bien. Ça marche comment? J'appuie sur le bouton là. Ah. Bon bah. Voilà. Ok. Salut. Oui bon, j'avais pas envie de lire tout simplement. De toute façon, ils disent pas non plus les choses les plus intéressantes au monde. Pritonde, d'accord. On va tester Raikou après. Par contre, c'est vrai qu'ils sont niveau 28, faut faire gaffe parce que Raikou il est quand même que niveau 22. On va faire Aéropic sur toi. Ok, tu fais Abri. Bah, si tu veux.
Voilà. Voilà. Que notor. On va envoyer. Je rêve. C'est un beau nom quand même. Eh ouais, tu ne t'attends pas à voir ça. Même par contre, le bruit qu'il fait quand il tombe, pourtant il est pas. C'est pas le plus lourd quoi. Putain, c'est vrai qu'il a. Il amène le soleil, je crois. Ou alors il n'y avait pas de soleil avant, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Point éclair. Après, c'est vrai qu'il est niveau 28, hein. Je pouvais pas le one-shot non plus. Vent glacé. Aïe! Bah, pour la peine, je te fais aussi entière. Voilà. Youhou! On va changer de Pokémon, on va mettre un peu Raikou en premier parce que j'aimerais bien qu'il monte de niveau. Pareil pour Miracle. Par contre, on va un peu le soigner. Hein. On en rachètera plus tard des potions. Alors, du coup, ascenseur. What? Ah non, oui, d'accord, ok. Ah non, mais attends. J'ai fait le con. Parce que je pouvais peut-être aller à gauche. On aurait dit qu'il y avait un chemin pour aller à gauche. On va aller regarder ça après. Rototop. Je me rappelais même plus que ça s'appelait Rototop. Pour tout vous dire. Dracocharge. Ça va. Ça va, j'ai vraiment eu très très peur en fait. Ça fait quoi sur si je te fais entière? Ça fait que dalle. C'était vraiment pour savoir. Dracocharge. Voilà. Clic. Bah clic, ouais, d'accord. On va envoyer Miracle. Clic. C'est pas les rouages là? Je sais plus. Ah si. Pour l'instant, ils ont quand même des Pokémon de la 5G. Flamme bleue. Je me suis renseigné, flamme bleue, c'est l'attaque de Reshiram. Bon, voilà, hein. C'est tout à fait normal qu'un Celebi ait une attaque de Reshiram. On le sait tous. Et il passe niveau 24. Oh, j'ai cru qu'il allait passer même niveau 25, quoi. Et je regarde le temps. Oui, on est quand même bien. On perd un peu de temps, c'est vrai. Je voulais juste voir s'il y avait un truc ici, parce que regarde. Oui, voilà. Alors attendez, parce que c'est quoi le bon chemin du coup? Parce que c'est quoi le bon chemin? Attendez. Y a-t-il un bon chemin? Ah non, oui, d'accord. En fait, c'était. Ah non, bah si. Ah non, bah non. Ah si. Ah non. Non, bah non. D'accord, ok. Ok. C'est bien ce que je disais. C'était par là. Je faisais tout ça. Bon, cours un peu, voilà, hop. Salut mec. Allez mec. Envoie ton petit Pokémon. Il doit forcément avoir un petit Pokémon, hein. Voilà, non plus fort. Je me suis dit, est-ce qu'en disant un petit Pokémon, il allait envoyer un légendaire? Mais non, non, non. Pour l'instant, on n'a pas rencontré de légendaire. Peut-être que Bardane en aura un. Oui, vent glacé, du coup. On garde nos gros Pokémon pour après, hein. Ne vous inquiétez pas. Super efficace, ouais, mais
On envoie miracle. Ouais, voilà. Ça y tank. Toi, je vais te cramer. Tu vas rien comprendre à ta vie. Voilà. Il est mort. Et nous, on passe niveau 25. Niveau 23. Bah, c'est nickel. Bon, alors, j'avais dit petit Pokémon, il est quand même. Voilà, son Pokémon était quand même plutôt bon. Non, pas ça. Super potion, plutôt, ça irait mieux. Allez, on va un petit peu avancer. Wait, what? Non, mais. Parce que ça. D'accord. J'ai pas envie de prendre des bons et des mauvais chemins. Je veux tous les combattre, donc on va revenir en arrière parce que je pense que ça c'est le bon chemin. Alors, Tauros, 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 Tauros. Tauros. Non. On va quand même. Là, on va prendre Tupchou. Tupchou va réussir. Là où nous, on va pas réussir. Enfin, où. Je rêve, ne réussira pas. Tupchou va faire. Tupchou, il va faire Bombacide. Ouais. Pas hydroqueux. On va refaire bon bah si du coup. Il fait mal hein, n'empêche. Je pense que les Bardan doivent avoir des Pokémon peut-être jusqu'au niveau 34. Ce n'est pas improbable. Oui, bon, on a compris. Allez, on accélère parce que. N'empêche, la petite gamine là, avec son Tauros, elle est forte. Hein. Ok, voilà, ça c'est le mauvais chemin. Ouais, bon, on accède à un petit coup hein, quand même. Parce que là, ça va être long. Alors, toi, faire point éclair. Oh, le pauvre, il s'est brûlé. C'est con pour lui. Bah voilà. Et il en est mort. Et on passe niveau 24. Un Scalproi. Racocharge. Ouais non, on va changer en fait. Bah on l'a brûlé. C'est cool quoi, ardent sur lui. En fait. Au galop. Je pourrais lancer Flamme Bleue avec Miracle, mais. Comment dire? J'en ai pas beaucoup, des Flammes Bleues. Donc on va faire Bout de Feu. On va soigner après hein, notre au galop. Voilà. Ok. Bon, si on va quand même un peu soigner. Chétiflore. Bon, je vais pas faire Bout de Feu pour un Chétiflore non plus, quoi. Là, par contre, faut pas déconner. Hein. On va faire Aéropic. Ça va suffire largement, je pense. Voilà. Suffisamment pour passer niveau 31.
Alors, on soigne un petit peu tout ça. Non, potion. Voilà. Voilà. Il n'y a plus de potion. C'est pas grave. Allez, on remonte du coup. C'était là? Ouais. Oui, c'était là. Tac, tac, tac. Et là, je pense que c'est pour aller directement à Bardane. Ah ouais, carrément. Le mec, il a des cristaux verts et tout autour de lui. Normal. C'est quoi, c'est de la kryptonite ou... Salut. Vindu. Inésia, t'as à la bonne. Je vais voir par moi-même ce qui lui a tant plu chez toi. J'ai mis oui, j'ai mis Raikou en premier. Bon, c'est pas grave. T'as l'atteinte. Au pire, s'il se fait toucher, il y aura le corps ardent peut-être qui va s'activer. Donc voilà, ça nous donnera peut-être un avantage au début. Mais après on peut avoir de la chance, voilà, un poste sirène et donc faire point éclair et normalement le tuer, le one shot peut-être. Mais on le tue pas, mais on le paralyse, c'est bien, c'est nickel, c'est nickel. Vas-y, fais ce que tu veux, augmente ton attaque spéciale. Oui, c'est comme ça, mon cher Berden. Moi j'ai des Raikou et puis je fais des points éclair. Au KLM. Des hauts glaces donc oui. C'est le seul Pokémon électrique que j'ai qui a une attaque électrique donc bon. Autant utiliser. Ah oui, après voilà, 31. Level 31. On va pas non plus faire des miracles. Ruse, ça fait quoi? Ça fait un peu mal. Le premier qui va mourir. Coup critique. Il va le soigner ou pas? On va dire qu'il va pas le soigner. Ah si. Je me suis dit peut-être qu'il allait pas le soigner et qu'il allait attendre pour un autre Pokémon. Être paralysé au moins. Non, on va le soigner. Normal. J'accélère juste parce que c'est long. Ça. Oui, Féruse, t'es content, je sais. Bon, je te fais point éclair. Oui, tu fais encore ruse. Il est plus rapide que moi, par contre, ça c'est chiant. Allez, avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Oui. Voilà. Niveau 25, c'est nickel. Ambrilex, on va changer. Là, on va envoyer. Ambrilex, il est quoi déjà? Sol. Sol. Non, pas Sol Ténèbres. Je sais plus ce qu'il est. Je crois qu'il est seul, mais. On va piou-piou. On va piou-piou. On verra ce que ça va donner avec lui. En vrai, c'est trop facile. On peut le faire quand on veut. Ah, il te reste que ça en fait. Attends, 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 attends. Bah, attendez, parce que là, j'ai un épisode. Je l'ai one shot. Ah, c'était le champion le plus nul que j'ai eu, je crois. Aucun légendaire, que dalle. Ça me plaît pas à moi. Ah, bah oui, mais bon, ça me plaît. Mais bon, pour ton âge, tu dépotes.
Je comprends que tu sois capable de révéler le potentiel des autres. Bah, t'as bien mérité ça en tout cas. Merci, c'est très gentil. On doit être plus ou moins 26 minutes. 27. Alors, on reçoit le bas sismique. Ça t'en fait 5 comme ça. Bah, les Pokémon vont t'obéir jusqu'au niveau 60 alors. Ok. Allez, je te rajoute une unité en bonus. Enfin, c'est ce que j'aurais fait si j'avais eu le temps. Mais là, j'ai du boulot. File à la grotte, qu'est après la route 6, je te rejoindrai là-bas. Oui, quoi? J'ai dit d'aller. Ah, mais t'es un vrai feignant en fait. Oh là là. On doit aller jusque la grotte. Route 6. Donc ça va être la grotte électrolyte. Bon, ben, on va attendre d'aller dans la grotte électrolyte. Oui, par là. Voilà. Salut! Bon, écoutez, on va aller se soigner. Et je vous propose d'aller. On va pas aller tout de suite dans la grotte parce que on est quand même bientôt à la fin de l'épisode et il est déjà 30 minutes. Bon, on a quand même gagné la badge, donc c'est quand même plus ou moins bien. On n'a pas non plus fait n'importe quoi. Je voudrais juste voir c'était quoi la maison tout en haut là. Au début que je cherchais la reine. Je voudrais juste savoir ce que c'est. Ah, attendez, par contre, il y avait une fille à chaque fois, elle est toujours là. Je sais pas si. Est-ce que c'était un personnage important, toi? Ah, c'est Béthré, peu importe, une œuvre. Non. Play Bad Boy. Donc, ouais, la maison là-haut, là. Qu'est-ce donc? Salut. Excentrique sur la route 6 qui cherche les Pokémon légendaires. Allez voir si le cœur t'en dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens du monde sont capables de. C'est quoi? Une maison de retraite ou. Ça se passe. Comment? Il y a des vieux, il y a des moins vieux. Et vous me donnez rien en plus. Non, en fait, vous me donnez vraiment rien. Bah, il sert à quoi? Non. Salut. Ok, ouais. Ça parle du E-Link, donc bon, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors attendez, juste, j'ai oublié de faire un truc, d'acheter des potions. Acheter. Des Pokéballs, j'en ai. Des Super Balls. On va en prendre 3. Des Hyper Balls, on va en prendre 6. On va en avoir 10. Des potions, on va en prendre 10. Quoique, on peut en prendre 10. Hein. C'est pas cher. Hop, des super potions, on va en prendre 7. Non, allez, un peu plus. 12. Des hyper potions, on va en prendre. Allez, 4. Et des rappels, on en a. Je vais juste prendre peut-être un peu plus d'hyper ball. On ne sait jamais. Voilà. On se ruine un petit peu, mais c'est pas grave. Est-ce que je loupe quelque chose ici? Dites-moi dans les commentaires s'il y a des maisons ou il y a des choses intéressantes à récupérer ou pas dans la ville. On va juste. On va se quitter là, mais on va juste un petit peu avancer, voir s'il y a. Voilà, un événement qui se lance. Eh oh, Filito. Bianca. Eddie, tu connais la reine de la ville? Quoi? Tu en reviens? Et tu as même gagné le badge. C'est trop top génial. Non, 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 faut que j'arrête de m'exciter pour un oui ou pour un non. Et moi, je suis un dresseur et je te lance un défi. Bon, voilà, on va se quitter en combattant contre Bianca.
qui, j'espère, aura des meilleurs Pokémon que Bardane, quand même, le pauvre. La 4 Pokémon. Un Gallam. Ah, Gallam, c'est stylé, j'adore ce Pokémon. Pokémon que j'avais utilisé dans mon monotype challenge. Mon fight monotype challenge. Sur platine. On va faire point éclair. En plus, il pleut. Je crois que ça augmente les dégâts, non? Berceuse. C'est pas très gentil. On va utiliser des baies, hein. Quoique. Ouais, attendez, j'ai pas des baies, moi. Non. Ah, attendez, si. Oui, voilà. J'ai cherché. Hop. Et voilà. Ébullition. Genre, tu m'as brûlé et tout, carrément. Eh, faut arrêter. Faut arrêter la comédie. Je suis un Dracochar, hein, je suis un comprendre. D'accord. Ok. Oui, allez, c'est bien. T'as tué mon. D'accord. D'accord, hein, tu vas rien comprendre à ta vie, mec. Tu vas rien comprendre à ta vie. Pchou-pchou, il va tabasser. Pchou-pchou, il va te tabasser la face avec bombe acide. Ok. Pchou-pchou va te démolir avec hydroqueue plutôt. Voilà. 32. Ténacité. Non. Oui. Alors, Love 10, qu'on va changer. On va envoyer Godlarve. Allez, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. On sort la bête, hein, elle a sorti son Gallam, nous on va sortir notre Godlarve. Et on va lui faire petit coup de boule. Je récupère mon vif-griffe ou... Est-ce que je récupère mon vif-griffe quand... Parce que c'est un peu dégueulasse quand même, sinon... J'espère que je récupère. Mais ta race quoi. Non mais oh. Allez bim. Prends-toi des flammes. Et je te fais Dracoqueue. Oula. Ah, ça. Voilà. Zigzaton, bah alors avec ton petit Zigzaton. Avec ton petit Zigzaton, alors là. Prends-toi ça dans la figure. Et on n'en parle plus. Tata. Enfin, je pense que ça va le one shot. Oui. Farfuré. Farfuré, on envoie miracle. Flamme bleue. Bah, pas flamme bleue. Flamme bleue. Danse Draco. Ok. Et on se calme. On se calme. On va dire qu'il me tue pas.
On va dire que l'attaque va passer et va pas me tuer. Voilà, je pense qu'il me tue, hein. S'il m'attaque encore une fois. C'est bon. Bah voilà, on l'a géré. Ça fait un bail qu'on n'avait pas fait un duel, hein. C'est tellement super, trop top balèze maintenant. Moi, je veux pas, je vaux pas grand chose alors. Je vaux pas grand chose. Alors j'ai du mal à trouver les mots, mais je pense que tu comprends bien ce que ressentent les Pokémon. Oui. Je vais oublier, j'ai quelque chose pour toi. Oui, mais attends. J'ai des Pokémon qui peuvent voler, moi. Ah, j'ai Dilton. Papa m'a donné cette CS pour pouvoir rentrer plus à la maison. Il faudrait la donner à Tyrène aussi. Bon, file-toi plus. Oui, mais tu vois, techniquement, aucun de mes Pokémon peuvent voler actuellement. Hein. On va regarder, mais aucun de mes Pokémon vole là. Il me faut un Pokémon qui puisse voler. Ah, pas Tilton, mais Tilton, j'ai pas envie de. Après. Hein, après Tilton, il peut apprendre vol, mais s'il évolue en Big Pokémon, il gardera toujours vol, quoi. À voir, à voir. Ça veut dire qu'il faut que je fasse évoluer Tilton. Bah écoutez, je pense que je vais faire ça, du coup, je vais revenir en arrière. Et puis je vais entraîner un petit tonne, peut-être, et le faire un peu voler. Pourquoi pas. Enfin, lui apprendre vol, et l'entraîner, et on va voir en quoi il évolue. Enfin, du coup, je vais voir, hein, je le ferai ça en off. Et puis voilà. Donc du coup, ouais, on se laisse en tout cas pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis bien, on se retrouve pour l'épisode 17. Où on va aller vers la route 6 et donc vers la grotte, je pense, hein, et peut-être qu'on trouvera dans la grotte la pierre foudre pour faire évoluer Frony. Voilà, allez, bye tout le monde!